Un lieu de culte au cœur de la jungle, bientôt sous le feu des projecteurs. L'église Notre-Dame de Madhu, dans le nord du Sri Lanka, est l'un des sites catholiques les plus sacrés du pays. Les pèlerins n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir s'y recueillir. Un visiteur de marque s'apprête à les rejoindre, le pape François, dans le cadre de sa tournée de 3 jours au Sri Lanka. C'est le site le plus sacré. C'est pour ça que les gens viennent. C'est pour ça que des personnes d'autres religions, bouddhistes, musulmanes, viennent aussi. Elles ne vont pas à d'autres églises. C'est une église pour tous. Et c'est pour ça que le pape vient ici. Sa visite intervient dans une zone déchirée pendant des décennies par les conflits. Vieille de 450 ans, la statue de la Vierge Marie a manqué d'être détruite lors des affrontements opposant séparatistes tamouls et forces du gouvernement lors de la guerre civile qui s'est achevée en 2009. L'armée a voulu prendre la ville de Madhu qui était sous contrôle des séparatistes tamouls. Donc ils se sont battus et c'est pour ça que nous n'avons pas pu rester là, parce que les affrontements se sont intensifiés dans l'église. J'ai dû prendre la statue et toutes nos affaires et quitter cet endroit jusqu'à ce que le conflit soit fini dans la zone. Les préparatifs pour la visite du pape durent depuis 6 mois. Une chapelle a été construite pour l'occasion et quasiment prête à recevoir sa bénédiction. Nous construisons une plateforme d'atterrissage pour hélicoptères et une route. Et avec d'autres équipements, nous sommes en train de rénover les sanitaires et autres structures nécessaires pour les visiteurs. Nous attendons plus de 600 000 personnes. Les catholiques représentent environ 6% des 20 millions d'habitants de ce pays à majorité bouddhiste. La dernière visite d'un pape au Sri Lanka remonte à 1995, en pleine guerre civile. Celle-ci est l'occasion pour la nation, qui vient d'élire un nouveau président issu de l'opposition, d'afficher son unité, tout juste retrouvée.